Patrick Timtit, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Jamel. Et bravo. Quel plaisir de t'avoir. Quelle émotion. Patrick Timtit. Ah oui, bravo, bravo. Quel spectacle, hein. C'est vrai, t'aimes bien. Ouais. Non, c'est propre, c'est cadré, pas de dérapage. Ah ouais, ah, c'est sans risque. Travaille avec les meilleurs, hein, les ingénieurs de chez Pampers, t'inquiète pas. Ah, c'est les meilleurs, Pampers, c'est ce que je mets à mon père. Oh, tu vois, tu commences. Tu vois, tu dérapes tout de suite. Ouais. Doucement, Jolly Jumper. Ouais, non, mais t'as raison. De toute façon, aujourd'hui, on peut pas rire de tout, hein. Bah oui, bien sûr. Rappelle-toi les handicapés. T'as eu des problèmes. Ah oui, mais je suis pas d'accord. Les handicapés, on peut rire des handicapés. Mais ça coûte cher. Est-ce qu'on peut rire des nains? Les nains de petite taille, là, c'est cher, ça? Les nains, c'est moitié prix. Mais c'est un budget. Petit, hein, mais un budget quand même. Hein. D'ailleurs, rappelle-toi, attention, vous vous souvenez, hein, on ne dit pas un nain. On dit une personne de taille ridicule. Ouais, c'est vrai, j'avais appris en sciences nat, ça. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Non, il y a les Africains. Mais moi, je peux pas me moquer des Africains. Je sais pas faire l'accent africain. Remarque, eux non plus, d'ailleurs. Hein. Ça se voit qu'ils forcent, hein. C'est vrai, quoi. Non, mais personne ne parle comme ça. Ouais, c'est vrai, ça se voit. C'est vrai, avec les yeux comme ça. Là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Y a personne. Mais moi, j'ai envie d'attirer ton attention sur une chose. On peut rire d'absolument tout, mais pas avec n'importe qui. C'est ça, on est d'accord. On peut faire une bonne blague nazie, mais pas avec n'importe qui, qu'avec des nazis. Ouais, ouais, d'un autre côté, les nazis aujourd'hui, c'est quand même des gens très, très, très vieux. Ouais, c'est vrai. Va remplir une salle qu'avec des nazis. Et les islamistes? Ah. T'as essayé de faire des vannes sur les islamistes? Non, moi, j'en ai pas des vannes sur les islamistes, mais si tu veux faire une bonne blague sur les islamistes, vas-y, hein, te gêne pas. Vas-y. Bah, non, mais je n'en ferai rien, c'est toi, mon invité. Ah oui, non, mais c'est ton show, là. Tu joues oui, à domicile. Mais... Non, vas-y, c'est toi le professionnel, c'est toi le génie. Excuse-moi. Mais si ça se trouve, ils ont de l'humour, hein. Personne n'a essayé, on sait pas. Non, non, arrête. C'est touchy, les islamistes. C'est touchy, les islamistes. On a du mal à y aller, on a du mal. Ah, bah, s'ils le prennent mal, en plus, t'imagines, hein, c'est pas pareil. Hein. Ah, bah, tu te réveilles un matin, t'apprends que t'as une fatwa sur le dos. Bah, ouais. C'est pas la même journée. Non, non, tu manges pas en terrasse, ça, c'est sûr, ça. Ouais, c'est pas les mêmes rendez-vous. T'es pas bien. T'es chafouin, tu peux être chafouin quand c'est t'as vrai. Ça. C'est vrai, et tu marches dans la rue, c'est là que tu te rends compte le nombre de musulmans qu'il y a dans la rue. À Paris, hein, je sais pas, je connais pas bien Marrakech, mais... Non, mais je te laisse t'enfoncer, moi. Moi, tu m'as dit, on fait un sketch, je te suis. Ouais, je t'ai dit, mais moi, ça allait marcher les miens, mais parce que c'est vrai qu'on a des trucs qu'on n'ose pas faire, je sais pas pourquoi. Dis-moi. Alors qu'on pourrait se permettre, franchement. L'antisémitisme, t'as déjà fait des blagues sur l'antisémitisme? Moi, non, je peux pas, parce que moi, j'arrive sur scène, je dis shalom, on va croire que c'est un spectacle communautaire, je peux pas. Je suis juif. Non, j'osais pas te le dire, parce que j'avais peur que tu m'invites pas, mais maintenant... Maintenant, je suis là, je vais en profiter. Tu nous connais, nous, hein. Non, c'est vrai, quoi. Non, non, mais je suis juif, quoi. Je préfère me dénoncer tout seul, hein. Ça évitera les intermédiaires. Enfin, Jamel, je te dis, je suis juif. Mes parents sont juifs, hein. Moi, non, mais moi, j'ai rien à voir avec eux, hein. Moi, je les trouve... Non, personnellement, je les trouve radin. Enfin, moi, c'est pas du tout mes fréquentations. Non, c'est vrai, faut faire attention. Parce qu'on a vite fait de te coller une étiquette. Oui, oui, ah bah oui. Ou une étoile, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, mais t'inquiète pas. L'antisémitisme, ça n'existe pas, Jamel. Arrête, mais Patrick, tu vois, là, tu pousses un peu. Tu peux pas dire un truc pareil, t'es fou, quoi, toi. L'antisémitisme, ça n'existe pas. Non, non, l'antisémitisme, ça n'existe pas. Les gens ne sont pas antisémites. Ils sont anti-ashkénazes. Mais ils ne savent pas. C'est vrai, ils font pas la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades, c'est tout. Il y a deux marques du juif. Oui. Ouais, il y a les Ashkénazes, c'est les juifs qui viennent d'Europe de l'Est, qui mangent sous la neige de Pologne, fade, et qui pleurent tout le temps. Et puis il y a les Séfarades, ceux qui viennent d'Afrique du Nord, qui mangent des mets colorés. Voilà. Et qui rient tout le temps au soleil. Ah, c'est incroyable. Et les Sherazades, là, ils sont tristes. Même quand ils boivent de la vodka, ils sont tristes. Ils rient pas, ils pleurent. Ils mangent de la cape farcie et des boulettes de pain azim. Et pour rendre ça plus gai, ils rajoutent des antidépresseurs. Alors que nous, les Séfarades, on mange pas plus équilibré. Mais c'est généreux. Ah, c'est chaleureux, ouais. Et tu sais quoi, Jamel? Quand tu as fini, tu as pas fini. Putain, c'est incroyable. Oh. Ils mangent comme les Arabes, presque. Oui, oui, mais les Juifs séfarades, c'est des Arabes qui ont réussi. Ouais. C'est,
Défendez-vous, défendez-vous. Voilà, c'est bourré d'Ashkenaz ici, hein, c'est dingue. Et d'arabe aussi, hein. Un peu. Mais dis-moi un truc. Entre les Sherazade et les Sephora, là. Ils s'aiment bien entre eux, c'est quoi non, le délire? Non, les Ashkenaz, ils nous aiment pas, nous, les Sépharades, ils nous trouvent vulgaires. Ils le disent, hein. Vous êtes bruyants, vous, les Sépharades, arrêtez de rire, on s'entend pas pleurer. Alors que nous, les Sépharades, on est sympathiques. C'est tout vrai. Le monde nous aime parce qu'on est sympathiques. Je vais même te dire, même Hitler, il nous aurait adoré. Doucement. Ah oui! Il était méchant, Hitler, quand même, Patrick. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais ça n'a rien à voir. Non, bien sûr qu'il était méchant, mais nous, on aurait su lui parler. Il aurait dit, Maurice, qu'est-ce qu'il est drôle, ce Maurice! Il me fait rire, Maurice! Il est drôle! Il parlerait comme nous, Hitler, hein. Ah bah, il aurait l'accent pied noir, à force de nous fréquenter. Il vient d'Afrique du Nord, une anisette, du soleil, des olives, un os-nos. Crois-moi, t'as pas envie de remonter dans le Panzer pour envahir la Pologne, hein? Jamais! Il est bien, ce spectacle. Il est cadré. Merci. Pas de débordement. Pampers! Patrick Tipsy! Merci! Merci beaucoup. Merci. Pardon.